souvent, les gens ici, de ce pays, travaillent pour de l'argent. L'argent vous court après. On dit que l'argent joue à la tag. Vous savez l'expression? Oui. Si vous courez après l'argent, elle se sauve. Si vous vous sauvez de l'argent, elle vous court après. Vous avez un événement qui s'en vient au mois d'avril. Parlez-moi un peu de votre événement. En fait, c'est un événement pour le côté commercial et spirituel en même temps. Puisqu'en 1998, j'ai lancé la méditation au Québec et je me suis fait fortement commencer, critiquer. De quel droit l'Église catholique n'était pas d'accord avec ça? Pourquoi tu fais de la méditation? Ça vient de l'Inde, c'est pas notre culture, on est judéo-chrétien. Alors, j'ai décidé, et aujourd'hui, maintenant, les gens d'affaires me disent, nous, on ne dort pas le soir. On veut avoir la paix de l'esprit. On travaille toute la journée, mais on ne dort pas. Alors, as-tu des trucs? Alors, je fais venir des célébrités mondiales. Mondiales. Et en plus, on va enseigner la méditation, en même temps, dans la même fin de semaine. L'équilibre, je vous rappelle. Donc, le point de vue, c'est l'équilibre. Fait que vous allez parler autant du personnel que le du business, commercial. Le business, le personnel, le commercial, la famille et le spirituel. Fait que l'ensemble complet. Les quatre axes.